Eh bien après avoir fait la phase C du chapitre 7 hier, de manière quasi parfaite, hein, très peu de morts, regardez, 141 morts. voilà, c'est easy. Bon, en même temps, parce que le jeu a planté et que j'ai dû le redémarrer, et donc du coup ça n'a pas compté le reste. Aujourd'hui, on va essayer la phase C du cœur. Alors, est-ce qu'on va mettre 4 minutes comme pour réflexion? Non, on a mis 7 minutes, je sais plus. Combien on a mis pour réflexion? On a vraiment pas mis beaucoup de temps sur réflexion. Bah, est-ce qu'il y a pas les... Ah non, 4 minutes, c'était le temple miroir. On a mis 4 minutes sur le temple miroir. On a mis 12 minutes sur réflexion. 4 minutes, hein. Pour la phase C. C'est pas mal quand même. Hein. On est pas mal. Et puis pour le cœur. Pourquoi c'est pas fini sur le cœur là? Y a un buge? Bon, on verra bien. Bref. On y va pour le cœur, la phase C. Est-ce que ça va être horrible? Ou est-ce que ça va être horrible? Déjà, le jeu vérifie qu'on a bien tout ce qu'il faut. Ah oui, ça je connais. Ça je connais. What? J'ai pas sauté, j'ai pas sauté. Et... Allez, on se concentre. On a réussi hier. J'aime pas quand il y a des picots. Ouais, dommage. Le jeu, il nous met des picots partout. Moi, j'aime pas les picots. Merde. Ah! Est-ce que je devrais regarder ce qui m'attend ou pas? Il y a ça. Après, on va évidemment avoir les bumpers. Ouais. Tout ce qu'on aime, hein. Un peu trop. Aïe. Oh. Bon, c'est le temps que je me chauffe, hein. Il y avait un meilleur niveau de jeu hier, mais... J'étais chaud pour ça. Ah! Mais... Je vais y arriver. Évidemment qu'ils nous mettent des pics sur le dessus. Hein. Ah ok. J'y étais, hein. Vous avez vu? Voilà, j'y étais pas, mais au niveau de la trajectoire, j'étais bon. Voilà, j'étais trop bon là. Mais
Mais hop. Un peu trop bas quand j'ai dashé. Dommage. Là. J'ai hésité en fait. J'ai hésité, c'était une connerie. Ne jamais hésiter dans le jeu, jamais jamais. Bien trop. Quand on hésite, c'est la mort assurée dans Céleste. Hein. Trop bas. Faut vraiment arriver en plein milieu. Hein. Y a pas le droit à l'erreur. Merde. Zut. Et pourquoi j'ai pourquoi c'est tout lumineux maintenant? Barre-toi le truc lumineux là. Tu me gênes? Mais. Oh, oh les salauds. Oh ils sont malins. Ils sont malins. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, vraiment. Ils sont malins. J'hésite. Ah là là, c'est fou, hein. On marche trop... Quand ça marche trop bien... Ok. Ah ! Quel nulos. Non, j'étais trop haut de toute façon. Quel gros nulos. Ça me recharge pas hein, le bumper, je crois pas. Hein. Ah non, le bumper il recharge pas. Hein. Oh là là, faut que je fasse pas une... faut pas que je fasse une diagonale en fait, faut que je fasse un saut vers le haut et après que j'aille vers la droite, je pense. Ça serait beaucoup plus safe à mon avis. Et trop vers la droite, ça ne marche pas non plus. Ok. T'es quasiment obligé de reprendre la recharge. Et j'arrive à passer au-dessus quoi. Hop. Voilà, comme ça qu'il faut faire. Yes. Ça va être mignon ça. Là, recharger, dash dash. Là après c'est le bumper. Tac. Oh là là. Hein? Mais il s'arrête à un moment là? Est-ce qu'il s'arrête à un moment là le jeu? Et là, quand on arrive ici, ça va taper. Et il y a le truc qui va faire blablabla. Comme ça il va taper là sur le pâture bord. Là, faut sauter. Hein? Hein? Allô? Et piou piou. Waouh!
Mais... Merde. Dommage. Après, je pense pas qu'il soit méga dur, mais il est méga long quoi. Ah, j'avais plus de... J'avais déjà plus de dash ? Merde. Oh là là. Oh là 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 là, il va être long. Bordel, il va être long. Faire comme ça. Ah merde. Ah ok. Ah il est sympa. Franchement il est sympa. Dommage. Franchement, il a l'air d'être cool. Merde. C'est chaud. Ah merde. Parce que j'étais trop long. Salut. Salut Melzekiel. C'est pas une heure pour streamer ça? Comment ça c'est pas une heure pour streamer? Je suis trop tard? Ouais effectivement. Effectivement il est peut-être tard. On est d'accord. J'ai commencé tard, je m'en veux. Saurez-vous me pardonner? Merde, 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 j'en perds de tissu. Oh non, c'est dégueulasse. Dommage. Mais l'inertie dans ce jeu. Vraiment quand on gagne de la vitesse, et bah on gagne de la vitesse quoi, c'est Ouh. Oui quand même vous êtes bien servi ici hein. Dimanche matin je vous entertain dès le matin quoi. Trop de chance. Non. J'ai pas appuyé sur le truc. Tu te lances dans Subnautica. Cool. C'est pas vraiment le genre de jeu qui m'ambiance moi. Merde. Ah ça y est. Bug de la manette qui vibre. La manette qui vibre et qui ne s'arrête pas. J'adore ça.
Voilà. Je sais pas si vous voyez. Si ça se voit. Non, ça se voit pas vraiment la caméra. Un peu. Par contre, ça peut s'entendre. Voilà, donc je fais rien. On dirait des ronds. Je ne fais rien et la manette vibre comme une débile. Bah ouais, c'est pas la première fois qu'elle me le fait. Je pense que je vais écrire à... Je vais écrire à 8BitDo quand même pour leur dire. Après, c'est peut-être juste un bug avec Céleste. J'en sais rien. Mais c'est relou quoi. Il suffit, ouais. Il suffit que je. Je la débranche, je la rebranche et c'est ok quoi. Voilà, non, par contre là c'est tellement trop tard. Non ? Ah ! Oh, merde. Bon, déjà, je suis arrivé plus loin. Merde. Et après, ce sera une diagonale du coup. Trop bas. Mais merde, qu'est-ce que je fous ? Ouais, j'allais dire. J'allais dire, c'est bizarre, je suis pas encore mort. Hop. Oh là là. Ok. Ok, j'ai compris. C'est tellement chiant d'arriver sur une zone, d'avoir la capacité de la faire. Mais juste de pas savoir quoi faire au début quoi. On arrive et puis c'est un peu en mode oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah quoi? Comment je m'appelle? Qu'est-ce que je fais? Pour le moment, honnêtement, pour le moment, je trouve carrément moins dur que... Là, c'est de l'apprentissage, mais c'est beaucoup moins dur en termes d'exécution que... La phase C de... Du chapitre 7 qu'on a fait hier, quoi.
Ah, les sacrés bumpers, hein. On les aime, hein. Non. Ouais, ouf, oh là là, ça quand ça part comme ça... C'est assez ouf, hein. Hop, regardez. Ah, du coup, j'ai peut-être fait une connerie, non? Ah non, c'est bon. Merde, non. Saut d'abord en haut et après une diagonale. Ok. Oh, les speedrunners, ils doivent aller... Ils doivent aller à fond là, ils doivent nous faire un super jump là dès le départ. J'étais pas dessus, c'était une connerie. Et merde. Bah alors. Pourquoi fais-je ça? Pourquoi m'inflige ça? Oh là là, trop loin quoi. Les bumpers, on les déteste. Merde. Oh, J'étais à la fin et j'ai failli là. J'y étais. Merde. 21 minutes hein. Notez ça dans vos agendas. Il aurait pu réussir en 21 minutes. Ce qui est quand même beaucoup moins qu'hier hein. Ouais. Merde, ce qui est moins bien que 4 minutes, mais... On est quand même au... à la dernière phase C. J'allais dire phase B, mais non, on est à la dernière phase C. Parce qu'on est des oufs. Merde. J'avais pas vu venir celui-là, hein. C'est bien en fait. Ça m'a fait perdre un peu de temps, c'est cool. Mais non, une diagonale. Pourquoi tu n'es pas sorti? Diagonale. Non, je l'ai vu. Je me suis vu sur le pic. Je me suis dit non, j'ai fait une bêtise. Ça, je le fais régulièrement. Hein. Ça, je le fais régulièrement, par contre. Ça, c'est régu, ça. Ça, c'est régu. Le fait de sauter derrière, c'est régu. Hein. Ah, si je pouvais réguler les trucs corrects. Et pas les merdouilles. Ça serait quand même vachement mieux. C'est original.
être chaud là. Ah non. Non, j'ai réussi. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Blablabla. Oh non, je passe pas dessus. Merde. Ah, c'est tellement con. Je prends en avance. Ouais. Ah, c'est bon. C'est quand même passé, j'ai pu temporiser. Ok, ok, ok. Ok. Non ! Merde ! Ouais, oh là 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 là, merde. Je suis retombé trop bas et donc du coup, j'ai pas pu faire ce que je voulais, malheureusement. On sait bien, en fait, c'est ça à tempo. Lolololololololol. Non, j'ai pas fait la diagonale. Quel dommage. Lolololololololol. Oui, ça me fait rire à chaque fois. Ok, ça, hop, 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 hop. Yes! Alors ça y est, t'as passé ton niveau des enfers d'hier. Ouais. Ah, j'ai eu un succès, merci d'avoir joué, parce que j'ai eu les faces C sur tous les niveaux. Mais mon niveau, le niveau des enfers d'hier, je l'ai fait hier, hein. Je l'ai pas fait aujourd'hui. Je l'ai terminé hier. Tu as réussi. Les variantes sont maintenant disponibles. Dans le menu choix de fichiers. Les variantes. Eh, moins de 100 morts. Hein. Comment ça les variantes? Ah, j'ai pas vu entre les coups de fil et les siestes. Ouais, non, j'ai fini hier. Eh, c'est beau, hein. Par contre, je comprends pas pourquoi le cœur, c'est pas... J'ai rien dessus. Il y a eu un bug ou... Mode variante. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Faudrait que j'aille voir qu'est-ce que c'est. Coucou Black Yaga. Du coup, bon, ça c'est fait. Alors, est-ce que j'y vais sur Farewell? Je vais pas se faire coucou rapidos car je dois toujours faire Céleste. Coucou Dragi. Alors, il y a pas trop de spoil. Ça fait plaisir de te voir. Il y a pas trop de spoil sur parce que j'ai pas regardé. J'ai vraiment pas fait le... J'ai passé les... Oh merde, je vais y arriver, hein, désolé. Hein. J'ai vraiment passé les phases de dialogue. Donc, et puis là, en fait, si tu veux, là, je vais faire le Pico 8, qui est pas... Ça va sûrement pas te gêner, mais je peux comprendre si tu... Tu ne restes pas... Hop. Merde. Ah mais non, d'accord, ok. Faut aller, ok. Bah non. Quoi? Mais qu'est-ce donc que ce merdier? Voilà, bah voilà. Quand tu veux. Moi, je prends les fraises ici. Est-ce qu'il y a besoin de prendre les fraises? Ah, tu vois le picoïde, tu l'avais fait. Je vais vous monter un peu le son parce que le son est bas du coup. Et bah, moi le picoïde, je l'ai jamais fait par contre. Autant voilà le jeu. Le jeu de base. Merde. Autant le jeu de base, je l'avais fait. Autant le picoïde, je l'avais jamais fait. D'accord, ça me redonne mon dash. C'est ok. Ah, faut... D'accord. Ah, faut dasher, mais pas trop, quoi. Dis-toi que j'ai ma version boîte chez Limited Run. Mais attends, et tu l'as pas fait? Attends. Attends, t'as acheté le jeu chez Limited Run? Mais tu l'as toujours pas fait. Ah merde. Donc t'as une version de ouf là? Mais oui, mais je suis con. Mais quel débile. Voilà. Ah, je juge pas, hein. Je juge pas, mais je juge un peu quand même. Yep. Moi, tellement bassiné avec que j'en étais dégoûté de ouf. Ah, merde. Ah, merde, c'est con, ça. C'est vraiment un super jeu. J'ai failli avoir la même avec... Ah, là, mais les deux meilleurs jeux, quoi. Il y a un truc là. Voilà. Merde. Mais je viens de faire toutes les phases C. Je viens de faire toutes les phases C. Et je vais galérer sur le Pico 8, quoi.
Merde. J'ai dash. Ok, j'ai compris. Comme ça. Pas comme ça! Je vais y arriver. Voilà, vous savez. C'est juste que je me concentre 2 millisecondes. Et c'est ok. Coucou, Gigit! Comment vas-tu en ce beau dimanche matin? Easy speak wait quand même. Ah merde! Est-ce qu'il faut avoir toutes les fraises dans le pick wait ou pas? Est-ce que je refais ma maladie du Ok, il y a eu le premier coup. Ah d'accord. Merde. Ah bah c'est bien, je reviens au début. Regardez, c'était fait exprès. C'est pour vous montrer qu'on peut le faire une deuxième fois. Regardez, hop, hop. Hop, vous avez vu? Ok. Merde. Trop rapide. Ah zut. Ah le timing. Ah ce timing. Merci. Musique forte, ah bah j'avais augmenté un peu. Non mais t'as raison en fait. T'as raison un petit peu. Bah écoute, et tu demandais comment ça allait, moi ça va bien. C'était mignon ça. Ok, faut que j'arrive de l'autre côté. Merde. J'ai dashé dans le mur. Hop, trop bas. Savez-vous pourquoi on ne voit jamais les mains de Tony Hub? Car il cache sa jolie manucure. Non, malheureusement. Malheureusement, je n'ai pas des beaux ongles peints. Merde. Non, mais c'est Melzekiel, elle va dire c'est parce que c'est pas lui vraiment lui qui joue. Une connerie dans le genre, hein? C'est pas en bas, hein, évidemment. Ah, pas assez haut. Merde. J'ai rien dit, moi. Mais bon, si tu penses que je vais dire ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ah là là, mais quelle horreur. Quelle horreur! Attends, je suis en train de me poser une question. I am wondering. Hop.
Alors... Ça marche cette connerie ou pas? Non. Là oui. Hop, hop, hop. Si tu veux, je t'échange une manucure de la couleur de ton choix contre un peu de temps de ton temps cet après-midi. T'as besoin d'un coup de main pour un truc? Pourquoi tu fais une tête triste? Aïe! Alors. Soulever les dalles en béton des deux fosses, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai hâte que Repentance soit dispo sur Switch. Ah bah c'est pas tout de suite hein, par contre, hein. Ouais, c'est pas tout de suite, hein. Clairement, le 1000%. Enfin, le 1000%. Ça a tranché. T'as dit quelque chose. Quoi? Putain, je comprends rien. De quoi vous parlez? De quoi vous parlez-tu? Alors... Désolé, un premier, je reprends le jeu hein, dans 2 secondes. Ouais, attends. Qu'est-ce qui t'arrive avec ta fosse? Ok. Tac. Ah merde. Mal gaulé. Dommage. C'est le système qui est plein de relou. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. En haut, moins. Et en bas, plus. Voilà. Voilà. Alors, les mauvaises langues là.
Hein? Hein? Qu'est-ce qu'elles disent les mauvaises langues maintenant? Elles disent quoi? Elles disent quoi les mauvaises langues? Ah voilà. Hein? Faisez-moi les malins là. Hein. On dit coucou Bibi, effectivement. On dit coucou Bibi, ça c'est vrai. Comment vas-tu Bibi? J'ai pas compris ce que tu disais, Tony. Ouais, ouais, comme par hasard. Hein. Comme par hasard, tu comprends plus. Hein. Mmh. Merde, comment j'y vais? Non, ça vous va ou pas comme, comme vue, d'ailleurs? Est-ce que ça vous plaît de voir mes mains? On verra mieux Rabia passer aussi. Ouais, c'est possible. C'est possible. Du coup... Merde. Attendez, je suis complètement con ou... Tire comme Rabia. Tire comme Rabia. Ah, vous voyez l'envers du décor, quoi. C'est rigolo, mais sur le téléphone c'est tout petit. Ah bah ouais, forcément, mais bon, c'est pour faire taire les... C'est pour faire taire les mauvaises langues qui disent que c'est pas moi qui joue, quoi. Parce que regardez, là, hop, vous voyez, j'appuie, hop, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, hop, je... Tac, je saute. Vous avez vu? Parce qu'il y a des mauvaises langues, hein, sur le chat. Je veux pas dire, mais... Non, mais c'est quoi ce merdier? Ah, je pige pas, là. Là, je l'ai pas. Hein. Ah, il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Ok. Hop, mort, c'est bien lui. Oh là là. Ah, mais il a mis des timers généraux partout, pas des timers individualisés. Comment on fait une chaîne de R comme Rabia concertée, nous? Ah non, non, j'ai mis pour chacun. Pour chacun, il y a un truc, y a un truc personnalisé, mais j'ai mis pareil partout. Voilà. Écrire rupture de stock, c'est ça. Eh bah ouais, bah c'est la dict... je le répète depuis le... Non mais vous me croyez pas. Depuis le début, je vous dis que c'est une dictature ce stream. Vous me croyez pas depuis le début, c'est quand même assez ouf, quoi. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. C'est une putain de dictature, ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a abusé parmi nous, non? Effectivement, j'ai souvenir de quelqu'un qui me balançait des fois des 11-12 R comme Rabia à la suite. Ça me prenait 10 minutes à faire.
Donc à un moment, bon bah j'ai serré la vis. Main de Tony Hub, vous qui appartenez à son esclave, faites-nous un signe ou vous nous libérions. Voilà. Je vais voir ma fosse. Hein. Je vais passer le rotophile. Je parle pas de mon pubis pour les deux. Oh là 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 là. Ah bon. Pff. Bravo. Bravo. Il y a une réclamation ici. Georges a acheté un Jean-Michel à vous hier. Il l'a pas eu. C'était quoi son Jean-Michel? C'est général, si Guide prend air comme Rabia, nous on peut plus pendant 15 minutes. Bah non, c'est bien. Bah non, c'est normal. C'est normal. Merde. Ah ok, faut que je fasse un dash vers le bas. Merde, j'ai oublié. Putain, c'est chiant. Mais c'est, je peux pas faire autrement en fait. Hein. C'est je peux pas dire par exemple une personne peut prendre un air comme Rabia toutes les 15 minutes, mais les autres en fait c'est obligé d'être comme ça. Hein. Je voulais que tu t'arrêtes de t'auto-insulter et de t'auto-flageller sur une run. Je vais le rembourser. Putain, t'as la technique des deux là. Mais il l'a eu, je me suis pas. Mais en plus je l'ai même pas vu, je crois. C'est bizarre, enfin je crois pas l'avoir vu. Hein. Moi, si je veux la voir, je roule 5 minutes. Mais vous n'avez que ça, je compatis. C'est horrible, injuste, moche. Plus maintenant qu'elle est câline. Hein. Maintenant qu'elle est coco câline, la. La Rabia, là. On est bien. Non, j'ai des refs à Julien Doré, quoi. Quelle honte. Pourquoi je me fais chier avec les fraises là? Hein? Merde! Quel con. Hein, Dragibus, c'est Georges? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Mais oui, Dragibus, t'as pris un Jean-Michel, tu l'as même pas. C'est quoi le concept du truc? Il y a Dragibus qui a pris un Jean-Michel, il sait pas. La modo qui plonge dans les comptes, mais ouais, non, mais elle va rembourser tout le monde, je le sens, quoi. Mais non, le Georges, c'est certificator, Gigit. Non, mais Dragibus, oui, le principe, c'est que du Jean-Michel, c'est... Par exemple, si je suis dans un point and click, enfin, à l'origine, c'était ça, et finalement, Melzekiel l'a détourné complètement. mais c'est, par exemple, voilà, vous pouvez dire, bah tiens, tu choisis tel truc, en fait, dans le jeu. Pour Isaac, par exemple, c'est me donner des runs à contrainte. Sur Isaac, vous pouvez dire, bah voilà, go, faut que tu fasses ça, en fait, sur cette run, quoi. C'est le principe du Jean-Michel, c'est vous donner une consigne et je l'applique, j'essaie de l'appliquer. Si vraiment j'ai pas envie, je vous rembourse. C'est possible aussi, hein, je le fais
Je le fais des fois je dis bah non ça c'est pas possible et bah puis du coup je rembourse généralement la personne, sauf quand c'est Mel. Parce qu'elle en abuse trop. Putain mais tout ça pour une fraise. Et c'est pas forcément en lien avec le jeu hein. Je peux dire, enfin, y a Mel qui fait ça régulièrement. C'est dire par exemple du bien de quelqu'un sur le sur le chat. Elle me le fait régulièrement. Et ou ça peut être, voilà, tu joues en chantant, tu joues en chantant. Ou tu peux faire, ou sur Isaac quoi, tu peux dire, bah voilà, la prochaine fois que je joue à Isaac, faudra que je m'en rappelle par contre. Faudra soit que tu reviennes, soit que je m'en rappelle, ce qui est compliqué. Dis du bien du chat. Rabia est très poilu. Rabia en ce moment est câline. Rabia est, est plutôt, plutôt agréable en ce moment à vivre. Je trouve. Merde. Voilà, j'ai dit du bien de mon chat. Non, non, il a dit du chat. Il a dit du bien du chat. Oh, comment c'est la personne qui donne le Jean-Michel qui donne les règles. Il a dit du bien du chat. Moi, je dis du bien de Rabia. Et Rabia, elle aime bien faire des léchouilles. C'est rigolo, je trouve ça rigolo. Merde. En gros, d'Agibus, Tony Hub est dictateur. Propose des trucs, mais choisit s'il fait ou pas. Bah ouais. Bah ouais. Bah faut me demander mon consentement. Voilà. 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 C'est comme ça. Mes excuses à George, mais j'ai la musique de George de la jungle en tête maintenant. George, George, George of the jungle. Et pinouf toi-même en plus. Alors moi j'en ai une rigolote pour Céleste, utiliser raccourci clavier Windows pour inverser l'écran à 180 degrés et réussir un tableau ainsi. Ah ça, ça c'est très rigolo, c'est très, très rigolo mais j'ai pas de raccourci clavier pour retourner l'écran, je les ai désactivés. Donc voilà, désolé. Ça ne marche pas du coup, j'aurais bien aimé mais du coup ça ne marche pas vu que j'ai pas de raccourci clavier. C'est Georges qui demande pour le JM d'hier parce que bah, tu l'as remboursé là, c'est bon. Alors, le trafic entre les deux là, c'est pas bon d'avoir d'avoir un viewer et une modo qui se connaissent. Parce que y a Georges qui demande des trucs, je les ai pas vus. Soit. Mais derrière, il demande à être remboursé. Puis après, il demande à ce que son Jean-Michel il soit fait quand même. Voilà. Y a un problème, non? Je vois pas le problème. Ah oui, toi, bah toi, mais Ezekiel, évidemment, t'es tout le temps dans les bons coups, toi. Alors évidemment que tu vois pas le problème. Tout le temps dans les bons coups, Ezekiel. J'étais trop loin. J'arrive à avoir la fraise et finalement j'ai pas la fraise. Génial. Parle comme maître de Yoda, sinon il a pas demandé le remboursement. Et bah voilà, bah, par exemple, un bon exemple. Je le ferai pas et je le rembourse. Voilà. Voilà. Hein? Quelle indignité. Voilà, voilà, c'est tout. Hein. Eh bisous Git, et puis bah ouais je te contacte pour ton souci là. Reviens un niveau en arrière, je peux pas. Je peux pas revenir en arrière dans le jeu.
Zut, je l'ai pas eu. Recommence du début. Non, ça va aller. Non, ça va aller, hein. Qu'est-ce que je fous, en fait, faut que j'aille vers le haut. Quand je veux plus faire de diagonale, je fais que des diagonales. Oh là, il y a un truc là, regardez. Là, il y a un truc, c'est sûr. Oh là là, le génie. Il faut que je retombe après. Zut. Merde. 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 Ou alors. No challenge, mais il manque une fraise. Comment vas-tu faire? Mais arrête. Arrête, ça me. Ah, c'est fini? Comment on fait pour ressortir du jeu? Ah, le Pico 8, d'accord. Ok, le Pico 8, on peut le refaire quand on veut. D'accord, ok. Ça marche. Et du coup, je l'ai fait. Le Pico 8, il est fait. J'ai eu le succès. Bon. C'est quoi le mode variante? Il y a quelqu'un qui peut regarder c'est quoi le mode variante ou pas? S'il vous plaît. Bon, farewell ou pas? Alors là par contre je vais quand même lire les Je vais t'occuper à discuter, nous n'avons rien vu. Je pense que tu vas recommencer CLS du début. Ça va être 12 jours de run. Là je vais lire quand même ce qui se passe, hein. Je vais lire l'histoire. Oh non. Bah non. Mamie. Oh. Je peux pas croire que tu sois morte, vieille chouette. Bon, j'imagine que je peux. Tu avais l'air de dire au revoir dans la dernière lettre que tu m'avais envoyée. C'est pas juste, j'ai besoin de toi. Tu m'as pas préparé à rien. Ah, tu m'as préparé à rien de tout ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle s'excuse? Elle est morte. T'es même pas allé à son enterrement. Je sais, c'est juste que je ne pouvais pas. Je suis tombé. Je te demande pardon, grand-mère. Tiens, ça commence raide, quoi. Un pardon, ça la ramènera pas. Un badline, comme d'hab, quoi. Tu as raison. Venir ici était égoïste de ma part. Ah, le piou-piou. The piou-piou. Variant mode is a special feature in Celeste that allows the player to modify certain mechanics or options to change gameplay or create different challenges. Ah bah non. Merde. Je commence déjà à fail sur le premier truc, quoi. Ouais, la grand-mère, elle est morte. Où est-ce qu'on va, Madeline?
Il faut suivre cet oiseau. C'est une partie de grand-mère. Tout comme tu es une partie de moi. Ah, le piou-piou, c'était grand-mère. Je crois que c'était juste un animal, son animal de compagnie. Ça doit être davantage. Cet oiseau n'arrêterait pas de me... Non, attends. N'arrêtait pas de me suivre sur la montagne. Exactement comme faisait grand-mère. C'est vrai qu'en plus, la grand-mère nous suivait partout. Madeline, ça m'ennuie de te le dire, mais... T'es en plein déni. Ce n'est qu'un oiseau. Tais-toi et aide-moi, pour une fois, ok? Elle a dit d'accord, mais je m'en fous. Piu-piu. Regardez ces piu-piu. On est vraiment très haut. Ah, effectivement, là. La montagne a l'air d'une topinière vue d'ici. C'est marrant, Badeline a le vertige, non? On devrait simplement rentrer. C'est pas le moment d'en discuter. Comment fais-tu pour respirer ici? Grand-mère veut qu'on la suive. On peut pas l'abandonner encore une fois. C'est un oiseau, Madeline. Grand-mère est morte. Tu crois vraiment que c'est un oiseau normal? C'est une partie d'elle. Elle est toujours ici. Il y a peut-être un moyen de la faire revenir. Je dois tenter quelque chose. Effectivement, elle est en plein déni. Je peux rien faire pour toi. Alors va-t'en. Oh non! Ne t'inquiète pas, grand-mère. Je te perdrai pas. Putain, j'ai qu'un dash du coup. Bon, c'était pas par là. Bon, jusque là c'est simple. C'est quoi? Ah, je peux avoir, d'accord, ok. Bon, ça c'est ok. Ça, tac. Voilà. Ok. Ah non, d'accord, ok. Je vous ai compris. Non, mais ouais, je vous ai compris, mais j'ai fait le con. Ah ! Mais arrête de faire ça ! Mais non, mais merde. Là, je fais tout ce qu'il faut pas faire. Mais c'est infernal, ça. Mais j'appuie à droite, en fait. En même temps, je suis con. Ah, faut appuyer juste en haut. Hein? Et j'ai plus qu'un dash à ce moment-là. Comment c'est possible? Attendez, je piche pas. Arrête. Ouais. Bon bah, vous allez me regarder fail sur ce niveau pendant 12 heures. Ça va être chouette, hein. Aïe.
c'était chaud. On peut y arriver ou pas? En vrai. Parce que le truc dash aussi vite que moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah mais oui je suis con, oh là là mais quel débile. Le mec a déjà oublié toutes les mécaniques du jeu quoi. Alors qu'il vient de les utiliser. Voilà. Voilà, non mais... ah là là, débilou, 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 débilou. Pas que j'attende. Ça et hop. Chaud quand même. Merde. Faut être rapide comme l'éclair. Ah mais j'ai encore un dash après, non? Non j'ai plus de dash après. Merde quel con. Ah si j'ai encore un dash. Ok. 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 Mais qu'est-ce que je fous? Merci. Yeah, ça marche. Est-ce que je peux sauter par contre? Merde. Dommage. Ah bien wesh. Bien wesh gros. J'arrive en face, donc du coup c'est pas bon. Non, Abia, non. Non, ça c'est à moi. Non, c'est à moi. C'est à moi. T'as à boire dans ta gamelle, hein. J'avais réussi la première fois. Dommage, maintenant je fail.
Hop là. Bon petit poisson. Merde. Il revient ou pas? Oui. Ah mais quand il explose, ah oui bah oui d'accord. Quand il explose en fait ça l'active. Ok, petit poisson. Je suis parti trop loin. Aïe, mais ça va tellement vite des fois. Ok, donc faut quand même que je saute, mais pas trop quoi. Nice. Alors. Waouh. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? À mon avis, il faut que je fasse descendre le poisson. Que j'aille activer le truc, que je revienne. Faut que j'arrive à faire péter le poisson mais de l'autre côté pour qu'il me propulse à droite. Après j'ai mon dash, saut, saut. Ouais. Je pense. Et un truc comme ça. Comment je fais après? Ça c'est bien dommage. Ça j'ai pas sauté. Différemment. Ok. Je l'ai. Je l'ai, I've got it. Yeah baby, I've got it. I'm your Venus. I'm your fear. I'm your, j'ai fait une connerie. Hop là. T'as vu ça? What? Ah ça devient quelque chose. Ok.
Ah, faut que je ressaute dessus, d'accord. Et qu'est-ce que je fous? Ah, faut que je ressaute dessus. Merde. Ah! Bon, faut que je fasse un... Hop. Merde. J'ai foutu. J'ai foutu. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je sais que vous pas sauter après. J'arrivais bien avant quand je sautais pas. Pourquoi maintenant je saute? Arrête de sauter. Arrête de sauter. Failli déconner sur ce coup là moi. Ok. Merde. Quoi? Je crois qu'il y a des trucs comme ça, il y a des arnaques à faire. Hein. Ouais, hein, il y a des arnaques à faire, ok. On va aller par en bas. Hein. Merde. Je m'ai trompé. Ah mais je m'ai trompé. Reviens le jeu. Non mais reviens. Allez, on y va. Je vais pas prendre la voie des speedrunners en haut quoi. Oh, il y a des tardigrades, regardez, il y a des tardigrades dans l'espace.
Merde. Je crois qu'il y a un truc comme ça à faire. Ah! Aïe. Ah, y a un truc là-bas. Merde. Attendez. Merde. Salut Neruda. Ça y est, c'est devenu. Ça y est, c'est devenu un puzzle. Céleste, c'est devenu un puzzle. C'est quel niveau? Je suis à Farewell. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire. C'est chaud. Ah mais c'est méga chaud. Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Ah il est bien Farewell hein. Comment faut faire quoi? Comment faut faire? Attendez. Je lâche comme ça, juste tout simple. Là, j'arrive presque. Ah, ou alors faut lâcher, reprendre. Oh là là, je sais pas. Ouais, bah ouais, j'ai qu'un dash. J'ai demandé à Badeline de se barrer. On avait un point de désaccord. Ah, ou alors faut que je fasse ça. Hop. Il y a peut-être un truc comme ça là. Il y a peut-être un truc comme ça là. Merde. Ouais, bah, mauvais plan ça évidemment. Ah oui, avec un seul dash, enfin avec deux dash j'aurais réussi hein. Mais... Ah voilà, c'était bon. Eh, je peux le faire. Ah merde.
Tu me dis pas par contre comment faire. Hein. J'essaie de trouver pour l'instant. Alors, tac. On peut ralentir la chute. On peut accélérer la chute. Ah, il y a peut-être un truc là. Pourquoi ça n'a pas marché? Merde. Alors. Merde. Ça marche pas. Ou alors faut que j'aille non, vers le haut. Est-ce que ça monte plus quand je vais vers le haut? Alors attendez. Non, marche pas. Non, ça va pas non plus. Ah, mais c'est chaud. Là, elle est à droite, ça me sert trop à rien. Ok. Vous l'avez ? Merde, je l'ai plus du coup. Je l'ai plus. Donc là j'ai déjà vu des speedruns hein. Faudrait que je déconnecte avec l'électricité mais comment? Ah, je peux peut-être venir par là. Attendez, par là. Non. Non, définitivement pas. Là, parce que là, je suis là, là, là. Et là, l'électricité qui me bloque. Je peux dasher à travers l'électricité ou pas? Oh, les tardigrades. C'est trop rigolo qu'ils aient mis des tardigrades.
Non, je peux pas du tout d'achat à l'électricité. Hein. Ça, ça me fait rien. Ça, ça me fait rien. Là, j'ai que dalle. Et là, ah non, je peux rien faire. Là. Là, c'est de l'autre côté. Là. Ah là j'ai que... Eh j'ai qu'un dash. Faudrait que j'arrive à récupérer ça. Ou celui à côté là. Ah merde! La crotte de bic! Alors là, il y a. Ça les pousse un peu! Ça les pousse un peu, mais est-ce que je peux en faire quelque chose? Parce que celle-là, elle est bien solide, par contre. Génie. Génie encore. Ah, ou alors est-ce que ça peut passer ça? Vu la hauteur du truc, je pense pas. Et bah et bah je me sens bien con. J'ai l'impression d'être Kéblo partout là. Merde, je croyais que je l'avais pas chopé. Je croyais que je l'avais pas chopé, je l'ai lâché. Merde. Ouais. Et puis je peux retourner, non, je peux pas retourner en bas. Quel est donc
cette sorcellerie. Quelle est donc cette sorcellerie? Je vais regarder le plan complet. Allez. Là. Il y a un truc par la gauche, mais on peut pas y aller. Là, il y en a un qui est là. On peut choper, mais faut arriver par le haut. Et là. Ouais, faudrait que j'arrive à passer là en fait. Dans le milieu là, faudrait que j'arrive à passer ici. Comment je fais pour passer là quoi? Puis après, ouais, hop, je peux choper le. Je peux choper le machin volant là. Et après, le machin volant. Je sais pas trop ce que ça me donne, mais. Après, la méduse. Voilà quoi. Parce que là, clairement, je peux pas passer, hein. Ah, il y a un trou là. Ah, c'est quand on revient de la droite, on doit pouvoir revenir à gauche, j'imagine. Ah là là, il y a que ça en fait. Il y a que ça. Là, je peux passer que là. Ou est-ce qu'il faut pas désactiver l'électricité en fait, c'est ça? On chope la méduse. Derrière, faut venir là, la lâcher. Je. Mais de toute façon, ça résout pas mon problème de comment on fait pour passer ici, quoi. Et voilà. On a clairement pas ce qu'il faut pour passer ici, quoi. Ou alors. De plus loin? Si je commence de plus loin, est-ce que ça marche? C'est pire. Ah mais merde, j'ai un truc qui me gratte dans le fond de la gorge, c'est chiant. Ok. Bon. On va la regarder. Parce que là, je l'ai pas. Hein. Alors, Céleste, farewell. Je suis dessus. Comment il fait? Mais pourquoi il a deux dashs? Non mais il triche, il a deux dashs lui. Dans des cheveux rouges? Attendez. Hein? Je comprends rien, il a deux dashs. Fais ça là comme ça. Et il a deux dashs.
Quoi? Mais il a deux dash. Attendez, je suis rebou ou Je suis rebou, c'est ça le truc avoir pas l'a dit qu'il comprenait pas. Et ouais mais... Talak. Je comprends rien. Read the fact below. If you are confused. Ah bah oui, bah effectivement ouais. Effectivement ouais. Attends, 6-21. How did you dash twice? I dashed far enough back on the platform such as my dash refilled before I left the ground. Intended strat is to get access to the double dash crystal first. Ah! Donc normalement, c'est pas comme ça qu'il faut, faut le faire. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, je suis... Ok, non mais... J'étais pas loin. Non, j'avais un truc, hein. J'avais un truc. I had a dream. Et que j'ai pas essayé. Vous vous rappelez, je vous disais. Ah bah c'est bizarre là, il y a un creux. Là il y a... Je vous montre sur mon écran. Regardez, là il y a... Là, merde. Là il y a un creux. Regardez comment je peux le faire. Allez, hop, je vais le faire là. Regardez, là il y a un creux. Je me suis dit, c'est quand on revient de la droite, on va pouvoir y aller. Sauf que je suis un petit débile. Voilà, c'est tout. Voilà. Et donc maintenant, I have deux dash. Donc je vais là, je fais hop, hop. Aïe. Oh là là. Ensuite, je peux aller où maintenant? C'est par là qu'il faut que j'aille. Est-ce qu'il faut que je coupe l'électricité maintenant en fait? Waouh. Ah mais est-ce que je peux pas... Ah non. Si. Peut-être. Je ne sais point.
Regardez là, j'ai deux dashs. C'est ça ou est-ce que c'est pas ça? Ah mais c'est peut-être que j'aurais... Ah! Bon, faut que je regarde. Faut que je regarde qu'est-ce qui est possible de faire maintenant. Donc j'ai débloqué le double dash. Où est-ce que je peux aller? Je peux aller là-bas, mais il n'y a que l'électricité. Là, ça me sert à rien. Là-haut, c'est full électrique aussi. Ah ouais, faut que je désactive l'électricité maintenant en fait. Ça, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, enfin, mais faut que je le fasse bien en fait. Faut que j'arrive à faire mon saut avec la méduse, quoi. Ah mais oui, je peux m'accrocher, je suis con. Ça y est, j'ai vu. Vu. En fait, j'essaie d'aller jusqu'en haut direct, mais non, faut que je m'accroche. Il y a un petit rebord sur le côté. Aïe, c'était pas ça. C'est pas ça que je voulais faire. Hein. C'est quand même ça que j'ai fait, mais c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ah. Ah. On se sent mieux d'un coup. Oh là là. Oh, c'est bien qu'est-ce que je crois que c'est? Oui. Eh, pas si mal finalement. Pas si mal. Alors, qu'est-ce que ici, qu'est-ce que ça me dit? Bon, jusque-là, ça va.
Alors là. Oula, ça devient plus. Ça devient plus retors, j'ai l'impression. Non ? Après, je fais comment pour le récupérer ? Ah, bah oui, il faut que je le récupère. Oh là là. Voilà, comme ça. Zut, loupé. Dommage. Voilà. Non. Ah merde. Oh le fail. Oh le gros fail moche. Oh le fail horrible. Le mec. Ah oh, le mec nul, nul. Et zut, à chaque fois je lance trop tôt. J'étais sur la clé, je l'ai foiré quoi. Mais non mais... Voilà, ah, c'est mieux. C'est mieux. Quel gros naze. Merde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que le jeu nous dit là cette fois-ci ? Hein ? Quoi ? Là, je fais tac, tac. Ah mais les trucs vont monter au fur et à mesure. Allez, d'accord. C'est ça qui nous dit le jeu. Je lâche tout moi. Je pense que c'est ça qu'il faut faire mais... Merde. Ah non d'accord, faut... Ok. Voilà. Merde. Mais je... ça y est, j'ai compris. Faut le faire cogner contre les pics. Pour pouvoir le réutiliser derrière. Ok. Salut PP44, ça va, ouais, c'est mon premier playthrough. Ouais, là, je suis vraiment en train d'essayer de comprendre comment passer. Hop, non, bah non. Enfin, je refasse la même en fait. Ok. Ouais, je. Donc, c'est un peu. Pour l'instant, c'est. C'est un peu du puzzle en fait. Ah, d'accord, ça y est, ça. Hein, je dois faire ça, alors je vais essayer ça. Merde, j'ai fait une diagonale. Donc c'est pas évident. J'ai je viens de terminer toutes les faces C là. Merde. Ok. On va vite des fois. Ah. Ah zut. Bon courage pour le dernier chapitre. Bah merci beaucoup. Hop. Ah. C'est vraiment pas... Ah ouais non je... J'ai vu que les... Bah rien que ça hein. Merde. Rien que ces strates là c'est... Merde. Faut avoir du réflexe. Je suis un vieux maintenant, moi j'ai plus ça. Merde! Mais... Il y a des fois ça peut... Enfin ouais...
Sûrement parce que je fais un truc mal, mais il y a des fois j'ai vraiment l'impression que ça passe pas. Voilà, là j'ai l'impression que ça peut passer quoi. Là, j'ai l'impression que j'ai fait le con, mais et pourquoi tout ça n'arrive qu'à moi? Ah, ah, je l'ai tellement bien fait que je suis arrivé au-dessus de la plateforme. Ah bah oui, mais non. Faut le faire vite. Les timings sont vraiment serrés. Ouais, j'ai vu que... je viens de voir qu'il fallait le faire vite. Et du coup, merci pour le follow. Ah si c'est bon. Ah, comment j'ai paniqué. Comment j'ai paniqué. Oh là là, il panique. Ah non mais la panique à la fin en disant putain je l'ai pas, faut que je rebalance le truc. Ah là là. Ah c'était quelque chose hein. Il m'en manque un là. Qu'est-ce qu'il me manque? Là j'y ai été. Là j'y ai été. Là j'y ai été. Bah. 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 En plus, il y a les petits ronds jaunes là pour dire qu'on a récupéré la clé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Là, le rond il est parti. Là, le rond il est parti. Bah. Je suis bigleux là ou Attendez, qu'est-ce qui se passe? Bah évidemment, ouais. Et là, je suis allé, je l'ai eu. Là, c'est ok. Je pense. Sacré jeu, hein. Sacré jeu, hein. Oh là là. Oh, je sens que je vais pas m'amuser, là. La tentation du backseat était forte. Et bah, c'est très sympa de pas l'avoir fait. Merde. Non.
Ah bah oui, j'ai plus de dash évidemment. Ah ça vous l'avez pas vu, ça vous l'avez pas vu venir. Ah. Ah. Merde. Merde, 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 merde. Non, je voulais pas faire ça. C'est ça que je voulais faire. Non. Tu utilises quoi comme manette? Désolé, je suis bavard, n'hésite pas à dire si je suis chiant. Je suis sur une 8-bit Do, parce que Céleste avec une croix directionnelle, une vraie. C'est quand même vachement bien. Je l'avais fait, Céleste, ma première tentative. Non, n'hésite pas. Puis n'hésite pas, clairement, à poser des questions. Au contraire, hein, je préfère un chat bavard. Et je l'ai fait sur Switch la première fois. Et la manette de la Switch, ouais, donc clairement. Hop. Donc manette de Switch avec le stick analogique et une fois sur deux quand tu veux faire une diagonale ça sort pas en fait ou alors tu veux sortir un truc tout droit et tu sors une diagonale, c'est super galère quoi, alors que 8-bit Do vraiment cool. Sinon de base sur les autres jeux, les jeux où j'ai besoin d'une une croix directionnelle, j'ai une manette de Xbox Series XS machin et qui a un super grip d'ailleurs. GG, j'ai tellement galéré sur cette room. Bah après ça dépend, tu l'as fait quand Farewell? Est-ce que t'as tout fait d'un coup ou est-ce que t'as fait Farewell quand il est sorti? Parce que je pense que ça change pas mal de choses. Là moi je suis chaud, je viens de terminer le jeu, enfin de re-terminer le jeu du coup. Et de faire les faces C quoi, donc ouais, moi aussi j'ai commencé au stick et j'ai fini à la croix. Mais je suis plus manette de play, ok. Et ouais, dans la manette de Hitbido est vraiment cool. Hein. Vraiment, c'est une manette. Ah, mais il y avait un truc! Je sais qu'il y avait un truc en bas. T'as tout fait d'un coup, d'accord, ok. Et je sais que. Ouais, par contre le seul truc chiant à la croix au D-pad c'est les plumes. Donc le fait d'être obligé de switcher de l'un à l'autre quand tu t'es sur les plumes, c'est un peu galère ça. Mais j'ai vu les speedrunners, il y avait un truc en bas normalement. Fallait ressortir, mais je me suis fait avoir. Les plumes, ouais, les plumes à la croix, c'est juste impossible. Donc faut arriver quand t'as des phases qui enchaînent croix, enfin plume et pas plume. Pourquoi y a un truc là? Merde, mais d'ailleurs j'ai fait le con, mais pourquoi y a ça là? Waouh. Ah mais la musique elle est juste parfaite hein. Attendez. Ah mais ça a fermé le truc. Oh là, ça a tout fermé en plus. Je préfère de loin la manette Xbox en termes de confort. Ouais, moi c'est pareil. Les manettes de PS, c'est pareil. J'ai jamais kiffé. Vraiment trop carré à mon goût. Et enfin, en même temps, ça ressemble à des bonnes vieilles manettes à l'ancienne, quoi.
Ah mais je l'avais vraiment pas vu hein. Je l'avais vraiment pas vu. Ok. Toujours pas tard. Ah là là, Melzekiel qui troll, bien évidemment. Ok. J'ai vu à quoi ressemble le niveau, tu vas souffrir. Mais non, mais bah, honnêtement sur Céleste, voilà, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. C'est vraiment chouette. Question Xbox PS, hein, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Ouais, non, mais clairement. J'ai grandi avec les sticks symétriques. Et maintenant j'ai beaucoup de mal à pas les avoir. Ouais, non, mais c'est clair. Alors moi j'arrive à. Ouais, j'arrive. Du coup j'arrive à facilement à faire la. Le changement. Du coup. Parce que la manette de Xbox pour la symétrique et puis la 8-bit d'eau pour la symétrique quoi. Non mais on disait pas rien Pépé, on n'était pas... on disait pas objectivement il y en avait une meilleure quoi. Mais c'est pour ça que j'ai la 8-bit d'eau en fait moi, c'est parce que... mais ouais les manettes, je trouve les poignées de manettes de PS, en même temps ça fait longtemps que j'en ai pas eu une en main. Vraiment trop trop dur et trop carré quoi. Peut-être que ça a changé hein. Mais la 8-bit d'eau, enfin la manette de 8-bit d'eau est vraiment super bien. Vraiment je suis ravi de cette manette. Et en plus compatible avec PC, Switch, PC, alors attendez, c'est quoi? Parce que je crois que c'est marqué derrière. Merde, c'est derrière la batterie. C'est PC, Switch, tablette Android, je sais plus quoi. J'ai grandi avec la Vectrex. Je devrais préférer les pads en ligne. Ah là là. Alors. Désolé, hein. Désolé, j'ai galéré, mais j'étais bien parti, hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Je comprends rien. Merde, il a cogné en haut. Je comprends pas, mais des, y a un... Ouais, non. Je l'ai pas, là. Merde. Alors, il faut que je le jette. Que je m'accroche au mur. Et après, quand il rebondit, je saute et je... Ah oui, c'est peut-être ça. Ok. Allez, hop, hop, hop. Ok. D'ailleurs, j'ai raté quoi depuis tout à l'heure? Des squats. C'est ça, il y a quelqu'un qui avait 2 millions de coins en fait. Finalement. Voilà, on s'y attendait pas. 2 millions de coins et j'ai fait 10 000 squats. Dommage mais je comprends, après je pense que la force de jeu c'est la cohérence entre l'histoire et le ressenti. Après ouais c'est bah en fait c'est clair qu'il y a le... Je sais pas si si Pépé t'as essayé le mode assisté, moi je l'ai pas essayé mais...
Mais sinon, il y a un mode assisté dans le jeu, en fait. Si vraiment vous voulez profiter un petit peu du gameplay de Céleste et de profiter de l'histoire. L'histoire de Céleste est vraiment cool. Il y a un mode assisté, en fait. Hein. T'as loupé Tony Hub qui refusait le gemme de certificateur. Rallye sur l'utilisation des R comme Rabia, la divine. Loupé des fraises dans le Pico 8. Le mode assisté est abusé. Pourquoi ? Pourquoi c'est abusé ? Ah bah. J'ai pas eu le dash du coup. Hop là. Ah, il faut comprendre. Je n'aime pas le nom de mode assisté, mais je suis contente qu'il existe pour permettre aux personnes ayant un handicap notamment de profiter du jeu. On est d'accord. Je me suis entêté à vouloir finir sans le mode assist, hein, ce qui m'a coûté plus de 7000 morts sur ce chapitre. Il y a dash infini et invincibilité. C'est trop pété. Tu peux redonner la référence de ta manette, s'il te plaît. C'est une 8-bit Do. Et c'est la... c'est la Pro combien, je sais plus. Je pourrais te retrouver la ref. C'est la... Bah, c'est marqué dessus. C'est la SN30 Pro Plus. Marqué dessus. Voilà, c'est en mode inversé, mais vous êtes doué pour lire à l'envers, donc... 8-bit Do, ouais. Le mode assist, il est personnalisable à fond, tu fais vraiment ta sauce. Ah bah c'est cool. Donc voilà, il y a moyen de... Il y a moyen de pouvoir faire le jeu... Machin. C'était con. Faut aller où? Faut aller où, bordel? Alors attendez, je vais regarder quand même la tronche que ça a. Ah, faut arriver en face en fait. Ok. C'est là, faut sauter, paf, s'accrocher, paf, rebondir, aller en face, paf, tac. Oh, oh. Puis là, faut aller de l'autre côté, rechoper le dash. Sûrement dasher en haut pendant que l'autre truc tombe. Ah non, c'est Je pense qu'en anglais assist mode ne sonne pas comme la connotation d'assister en français. Je me trompe peut-être. Non, c'est un mode assisté, enfin je... SN30 Pro Plus, manette sans fil, Bluetooth, ouais. Enfin, marche en filaire. Hein. La preuve. Ah merde, avec le fond vert, il peut disparaître le câble. Regardez, si je le bouge très vite, le câble disparaît. Et ouais, elle est compatible avec tellement de consoles quoi, enfin quasiment tout je crois. Bah, ça marche en Bluetooth donc. Et tu peux marcher en filaire. Moi je le fais marcher en filaire comme ça, bon il y a un peu moins de lag. Sachant le plus gros lag que j'ai, hein, c'est. C'est dû à ma vieillerie mais. C'est ouf ça! Ou alors. Ouais. Merde, mais ça non, faut pas faire. Mais arrête, touche le truc. Allez, d'accord. Ok. Non. Je suis tellement bon. Ça va être galère. Et arrête! Non mais touche au truc! Touche à le truc! Pourquoi ça le déclenche pas? Ça le déclenche pas. Mais merde. Le but c'est de trouver soi-même la difficulté qui convient. Quand j'ai essayé de mettre ma mère à Céleste. Je te garantis que rien n'est trop pour les débutants en jeu vidéo. Ouais, c'est ça en fait. C'est cool que chacun fait comme il veut en fait. C'est si vous avez envie de jouer avec le mode assisté, bah vous jouez avec le mode assisté.
Si vous voulez pas le mode assisté, bah vous mettez pas le mode assisté. C'est vachement bien quoi. Et puis comme disait Melzegal, il y a des personnes handicapées qui ont envie de faire les jeux. Et les jeux, la plupart du temps, sont faits pour des valides quoi. Donc avoir un mode qui permet de... C'est cool enfin... C'est cool qu'ils y aient pensé hein. Ah non, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Comme d'hab hein. Ah bah oui, après j'ai plus le dash là, donc faut pas que j'utilise. Et je comprends pas depuis tout à l'heure pourquoi ça marche pas. C'est normal, j'ai plus le dash. Moi j'aimerais faire le jeu en mode assist pour profiter de l'histoire, mais mon frère qui, à qui appartient le jeu veut me voir galérer. Bah ton frère est un connard. Désolé. Tu voulais me... Merde. Tu voulais me conseiller à ton frère, et bah ton frère est un con. Voilà, y a pas de raison quoi. Tu fais le jeu comme t'as envie de le faire quoi, c'est vraiment... Ah faux, d'accord, ok. Ah! Ah! De toute façon, je crois que niveau timing, j'étais pas bon. J'ai pleuré sur le menu de Subnautica. Ah, d'accord. Ah, bah. Ah, bah, quand même! En vrai, la galère peut faire partie du truc. Le jeu parle de la difficulté de gérer l'échec, dont je pense. Oui, bah, évidemment! Le thème de Céleste, ça reste gravir une montagne quoi. Donc et puis la courbe de progression est tellement bien faite dans le jeu quoi. La courbe de progression, c'est vraiment on suit Madeline quoi, c'est Madeline galère et on galère avec elle au fur et à mesure quoi. C'est chiant quand ça. Soit je suis trop rapide, soit je suis trop lent, quoi. Ah, mais non, mais accroche-toi, 2 secondes. Enfin, pas 2 secondes, parce que c'est vraiment trop lent, mais... Je vois pas encore. Ah, ou alors... Non, d'accord, je fais le truc dans le mauvais sens. Je fais peut-être le truc dans le mauvais sens, en fait. Je pense. Tellement lent. Mais pourquoi j'arrive plus là? Merde. Ah. Comment on fait là? Dans les phases bêta, j'ai testé les débuts du jeu. J'étais jamais plus de 2-3 heures. L'introduction a changé progressivement, mais je m'étais arrêté sur le fait qu'on descendait clandestinement sur la planète grâce à sa sœur. Clairement, la courbe de difficulté est vraiment bien, ouais. Le premier pic du chapitre 3 est bien dosé. Puis phase B et C. Ouais. Mais ouais, je trouve les phases B plus compliquées que les phases C. Là sur le menu il est écrit survivez, apprenez la vérité sur la mort de votre sœur. Ah. Ah bah oui, si tu t'étais Je crois pas que c'est ça. Hein. Je dois me planter sur le truc là. Je vais tester autre chose, voir si ça passe. C'est ça. Hein. Question con, c'est le switch que tu connectes à la carte de capture. Hein?
question con, c'est le switch que tu connectes à la carte de capture du coup. Ah! Alors, la cape de dans l'entrée de la carte de capture, tu connectes la switch. Et dans la sortie de cape de capture, tu connectes l'entrée 1 ou 2 du switch. Du switch, pas de la switch. Voilà. Tu veux pas aller rouler des mécaniques pour soulever une fosse? Bah, j'ai pas encore de nouvelles. En même temps, j'ai pas regardé encore. Merde, oui, c'est vrai. Est-ce que tu as compris, Blacky, ce que je disais ou pas? Il est quelle heure, là, les gens? Peut-être faire que je m'arrête, ouais, hein. Ça marche. Oh mais merde. C'est chiant quand ça fait ça. Si je te dis non parce que mon cerveau est un bug là-dessus depuis hier, tu me crois? Alors. Attendez, je coupe la musique. Tu as la carte de capture et tu as le switch HDMI. Tu connectes l'entrée de la carte de capture dessus, tu connectes ta console de jeu. Sur la sortie de la carte de capture, tu connectes le switch HDMI. Sur la sortie du switch HDMI, tu connectes ton écran. Et sur la deuxième entrée du switch HDMI, tu connectes ton PC. Et c'est tout. Voilà. Est-ce que... tu streams quand généralement? J'aimerais vraiment voir la fin de ton chapitre 9. Je stream tout le temps. Mais j'ai pas de planning. Je stream tout le temps, mais j'ai pas de planning. Donc, faut... J'ai un compte Twitter aussi. Tiens, regarde, il est affiché tout à gauche là. Tout à gauche en bas, c'est mon compte Twitter, c'est Tonyob underscore. Et souvent, voilà, j'envoie un petit message sur Twitter quand je stream, mais je sais pas quand est-ce que je stream Céleste. En fait, c'est vraiment en fonction de l'envie, quoi. C'est le switch écran que tu connais au PC. Le switch HDMI a deux entrées, une sortie. Une entrée, c'est ton PC. L'autre entrée, c'est la sortie de la carte de capture, la sortie du switch HDMI vers ton écran. Pas compliqué. Attendez. Non, arrête, ça veut pas. Mais oh là là. Infernal. Ah non, mais moi je veux que tu stream là. Je veux que tu stream. Hein. Je l'envoie par la poste, le schéma. Attends. Voilà le schéma. Désolé, hein. Donc, là-haut, tu as la console sur le in de la carte de capture. Sur le out, tu mets sur un des deux du switch HDMI. Le PC aussi sur le in du HDMI et le out sur l'écran.
une photo sur Discord. Elle est chiante, hein. Je suis en train de streamer, putain, je suis en train de streamer, quoi. Alors. Que je... Ouais, bah oui, c'est le... Oui, effectivement, c'est vrai que c'est en miroir. Non, mais c'est bon, je l'ai sur Discord. Je lui ai envoyé un message sur Discord. Alors, Blacky. Paf, envoie. Faut que tu fasses une pause et que t'ailles manger aussi et que t'occupes de la fosse septique. Voilà. Bon, c'est bon, Blacky. Je t'ai envoyé la photo. Attendez, j'essaie juste ce tableau et voilà. Croise pas les effluves. C'est les effluves qui disent. Merde, j'ai tout perdu. Je sais plus. Hein. Jean-Michel, prends soin de toi. Je prends soin de moi. Qui te dit que si je ne streamais pas, par exemple, je ne serais pas au fond de mon lit déprimé. Alors que là, je vous ai vous. Et que je suis très content. Ah, mais il est horrible celui-là. On pige déjà pas ce qu'il faut faire, quoi. Oh là là, arrête de faire ça. Tu t'accroches, là, ça compte. Merde, j'ai pas d'haché. C'est plus comme ça, ouais. Merde. Je sais pas comment prendre soin de toi. Je t'invite à le faire à des considérations. Des quoi tu utilises? Ah mais merde. Regardez. Ah mais je suis trop bon alors du coup je suis trop... Ouais, je suis trop mauvais mais... Arrête de faire ça. Ça touche. Normalement tu descends quoi quand ça touche. Ah mais merde quoi. Comment j'y ai pas cru? Ah là là, quel dommage. Merde. Du coup, je peux pas le faire. Mon Switch TV n'a pas d'USB pour le mettre sur PC. Quoi? Non mais, Blacky, c'est en HDMI? C'est en HDMI qu'il faut que tu branches, c'est pas en USB? C'est la sortie HDMI du PC que tu branches sur le Switch HDMI. D'où le nom en fait. C'est un Switch HDMI. Donc il n'y a que du HDMI. Attends. HDMI. 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 C'est là. Le principe d'un Switch HDMI, c'est que ça marche en HDMI. T'as même avec le... Putain mais merde, c'est pas ça quoi. Je vais aller tricher. Hein. Ouais, alors, c'est pas de la faute du traducteur là, je pense. Hein. Attendez, je vais tricher. Hein. Salut, je vais tricher. Ah, lui, il va y arriver du premier coup, ça va me vénère.
Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Alors, comment il fait? Il prend son temps, lui, en plus. Ah, il prend son temps, lui. Là, tac. Pas tricher, pas bien. Ouais, mais là, là, je comprenais vraiment pas comment faire. Et je pense pas que j'aurais pensé à ça. Non, là, en vrai, le problème est entre ma chaise et mon clavier aujourd'hui. Y a pas de problème d'interface chaise-clavier. C'est la malédiction de Yaga. Je sais pas de quoi tu parles. Bon, lui, il arrive à faire ça. Moi, j'arrive pas. Hein. J'ai l'impression qu'il prend son temps. Moi, j'arrive pas. Putain, c'est horrible! Ils ont changé le jeu en fait. Wouah, j'y étais presque. L'autre l'autre dehors avec son karcher depuis 10h du mat commence à me fatiguer les oreilles. Les jeunes de Genevard, à mon époque, on n'avait pas les vidéos sur internet. Non, non, t'inquiète, y a aucun problème. Ah non, mais je, par contre, moi, là-dessus, c'est... non, non, je, un moment, j'en ai marre, je vais regarder. Hein. Je suis pas du genre à galérer pendant des heures, surtout pas en stream en plus, parce qu'en stream, voilà, tout le monde se fait chier sinon. À me voir chercher pendant des plombes. Donc non non pas de... C'est pas mal pris, t'inquiète pas. Et j'ai aucune honte à aller chercher des solutions de temps en temps. C'est pas ça qui fait, c'est pas ça qui fait. Pas ça. Alors j'ai plus de dash là. Mais non, mais comment il fait? Il fait une diagonale? Bon. Yes. Je l'ai vu hein. Poil au dos. Du coup est-ce que je m'arrête là? Ouais, ça fait 2h41. Allez, je vais m'arrêter là. J'espère que le jeu sauvegarde. on ça sauvegarde hein. Il n'y a pas tout à refaire après hein. Croise les doigts. Yes. Ça marche. Et bah bisous YouTube, à la prochaine.